Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dimitri Zirka. En 2018, je suis entré en prépa en MPSI à Wallon. Ensuite, je suis allé en MP Étoile. Ensuite, j'ai fait le choix de redoubler. Et ça s'est très bien passé. Et en septembre dernier, j'ai intégré l'École nationale des ponts et chaussées. Alors rapidement, l'École des ponts, c'est une prestigieuse école d'ingénieurs généralistes. On fait beaucoup de sciences poussées. Et le panel de débouchés extrêmement large, ça dépasse les carrières d'ingénieur. Personnellement, j'ai très bien vécu toute ma prépa. Certes, c'était pas facile tous les jours, mais on a toujours des gens sur qui compter. J'ai tissé des liens très forts avec des personnes géniales. Y a eu toujours, enfin, on est toujours dans une saine émulation. Le cadre de travail est excellent. Aussi, on est très bien encadré, enfin, on a des profs qui sont à fond avec nous. Et enfin, personnellement, j'ai trouvé ça hyper enrichissant d'apprendre vraiment plein de choses. Et puis pareil, enfin, même si on apprenait plein de choses, enfin, il y a quand même à Wallon, il y a une super ambiance. Enfin, par exemple, avant chaque vacances, on va faire de repas de classe, où on met toute la classe élèves et profs, et on va tous au restaurant tous ensemble. Donc c'est hyper convivial et ça met vraiment une super ambiance dans la classe. Donc maintenant, pourquoi Wallon? Alors, pour être honnête, quand j'étais en terminale, je voulais aller à FEDER parce qu'ils avaient eu des meilleurs résultats. Et aujourd'hui, avec le recul, je pense que je suis vraiment hyper heureux d'être allé à Wallon pour toutes les raisons que je viens de donner juste avant, enfin, ce qui est, enfin, l'ambiance, etc. Et avec le travail en plus. Et parce que je pense qu'en résumé, enfin, avec le recul, je pense qu'on ne résume pas une prépa avec des statistiques. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on se sent pour travailler quand on y est. Et enfin, moi, clairement, j'ai adoré Wallon pour ça. Alors, si un souvenir que je garderai longtemps après la prépa, je pense, c'était plus vraiment en prépa, c'était pendant les vacances en 5 demi, après les concours, où on était toute la bande à la plage chez un ami, donc on avait tous redoublé, donc on a reçu nos résultats, et on était tous super contents, on était tous super fiers de tout ce qu'on avait accompli, vraiment, c'était vraiment un moment extraordinaire. Aussi, si j'avais des conseils à donner, ce seraient des conseils que j'aurais moi, enfin que j'ai moi-même reçus. Déjà, je vous conseille de regarder toutes les vidéos sur la prépa de la chaîne YouTube Lucas Willems. Il explique tout en détail, c'est super bien fait. Et je vous conseille aussi de regarder la vidéo Le plus grand défi de la prépa de la chaîne e-learning physique, qui est la chaîne de l'ex du regretté professeur de MP étoile, de PC étoile de physique à Wallon. Pareil, super vidéo comme toutes les autres qu'il a fait. Aussi, et puis quelques derniers conseils, écoutez bien les conseils de vos profs et chaque soir, arrivez avec votre bureau en vous disant, ouais, il faut que je sois le plus productif possible. Et voilà, ça va le faire et vous allez progresser. En tout cas, bon courage si vous voulez faire une prépa et puis à bientôt à Wallon, j'espère. Au revoir.